Vous êtes bien la mère de Sébastien Moreau? Oui, c'est mon fils. Suivez-moi, s'il vous plaît. Dites-moi ce qui se passe. Madame Ducret, je vous présente Monsieur Lemmens, avec qui vous allez travailler. Bonjour. Bonjour, Monsieur Lemmens. Bon, ça fait plusieurs semaines que je suis sans secrétaire. En effet. Tenez. Qu'est-ce que c'est? Une chemise. Vous avez rendez-vous avec le maire. C'est bien qu'elle s'implique autant, mais chacun doit rester à sa place. Mais elle est à sa place. Elle fait son boulot, c'est tout. Et elle le fait même très bien. Excuse-moi de te parler franchement. Il y a quelque chose entre vous? Vous êtes qui? Je m'appelle Marie-France. Je travaille avec ton papa. Tu me laisses entrer? Qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai fait de la soupe. Ça vous arrive souvent de faire de la soupe comme ça chez un inconnu? Je n'aime pas rester sans rien faire. Faites le tour de l'immeuble et déposez-moi au même endroit, s'il vous plaît. Bravo, Léo, pour ton interprétation. Je vous présente... Marie-France. Je n'étais pas vraiment invitée. C'est comme ça que ton père t'a élevé? Toute une éducation à faire. Bien ce que tu voulais. Elle est complètement dingue de faire un truc pareil, elle le connaît à peine. De toute façon, elle part bientôt. Dans un mois, c'est terminé. Nous déclarons que Marie-France Ducret et Monsieur Éric Lemmens sont unis par les liens du mariage. Marie-France ? Bonsoir, Audrey. J'ai vu dans votre dossier, vous aviez été impliqué dans un homicide involontaire il y a quelques années. Vous pourriez m'expliquer ça? Mais dans l'état où il est, tu crois qu'il est vraiment capable de s'occuper du petit? C'est son fils, bordel! Mais sa maison est ici, avec moi! Moi! Sa secrétaire débarquer comme ça à l'improviste, non? Collaboratrice, ça vous dérange pas?